Comment tu vois l'avenir? Triste. Parce que moi, je voudrais encore aller à l'école. Les petits vont à l'école et puis les gros, ils y vont pas. Les enfants, c'est gentil. Et puis les parents, des fois, c'est gentil et des fois, c'est méchant. Et c'est ce qu'aiment pas leurs petites filles ou leurs petits garçons. Qu'est-ce qui t'a rendu la nuit. Qu'est-ce qui t'a rendu heureux? De jouer et puis même d'aller me promener et puis même d'aller à l'école. Et voilà. Dans son laboratoire des écarts, son département des attitudes, où il était de bon ton de cultiver rumeurs et intrigues pour cette chronique scandaleuse, il se trouvait plus informé de la réalité qu'on ne le pensait. Non, on ne peut en aucune façon assimiler les règles quand on apprend à les fuir. Non, ce qu'il reprochait à la morale, c'est son manque de tragique, de réel en tant que tragique. Il avait une vie dissolue au sommet du sublime à présent. Il ne saura plus défendre son cas que les lèvres serrées, avec la pâleur de celui qui ne connaît rien d'autre que l'ascèse de la peur devant un monceau de scrupules. Toute cette vie d'épigone arrive à son déclin. Elle a besoin de ses névroses quotidiennes pour asseoir le surnaturel que dispense ses instruments de salut, et pour assurer son service, elle a besoin ainsi de se marquer par le forfait de la culpabilité. Le refus de l'ordre établi, c'est le brouillard des angoisses qui écartèle ce faible. La confusion de ses mensonges, loin de servir sa vie, renforce à n'en plus finir son sentiment qu'il n'y a plus d'issue. Observez-le, aujourd'hui, il est aussi raide que le bâton avec lequel nous devrions le rosser. Il n'y a pas de tâche plus tenace que l'idéal faux, même s'il demande dans un tout dernier souffle que nous le lavions. Ce malheureux pensait tenir sa force la plus fondamentale de son union avec le désordre. Peut-être jadis, il avait foncièrement besoin d'une fonction particulière, d'une mission, pour se sentir vivre comme personne. Pour moi, c'est l'essentiel. Comment se résume-t-il? La morale dit, étant donné le personnage que je connais et ce qu'on lui attribue, alors j'affirme, faites la lumière. Il faut découvrir. C'est pas ça le détruit, hein. Il y a quelque chose qui m'échappe là-bas. En fait. Si je peux dire quelque chose là-dessus, je dirais que mais qui a été détruit, je sais pas. Mais puis le fait que je sois resté longtemps, des mois, sans écrire du tout, ce qui ne m'était jamais arrivé. Des mois à me demander si j'allais continuer, si j'allais recommencer à écrire. J'ai écrit contre moi. J'ai écrit avec. Sans mes habitudes, contre Duras. Contre Duras, oui. Ne pouvant plus me supporter. Quoi qu'il faut risquer quelque chose. Vous savez, je suis dans l'obscurité. Je parle très mal de détruire parce que je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. À mesure que j'avançais, séquence par séquence, il me semblait que les choses s'éclairaient. Et quand le film a été fait, tout s'est refermé. La porte s'est refermée. Il ne voit plus rien. Il voit très peu, c'est bien. Le peu que j'y vois, c'est qu'il me semble que j'ai essayé de montrer un monde. Plus tard, peut-être. Peut-être après Freud.
le monde qui aurait perdu le soleil. C'est ce que je peux dire. Il y a un sommeil curieux pendant un certain temps. Et puis après détruire, j'ai recommencé, je crois, la vie. Enfin, la vie était plus transparente. L'Aldestein, le Wisconsin, le détruire, je l'aime en plus. Elle m'a trouvé pour moi une porte de sérieux. J'ai plus envie de dire. Thank you.